très important et nous sommes en train, depuis la Pâque, parler du mystère, de la puissance qui est dans le sang de Jésus. Et nous parlons en réalité de la foi, parce que la foi, nous l'appliquons à un domaine particulier. Chaque enfant qui naît de Dieu, chaque enfant qui rentre dans la famille de Dieu a un grand héritage, un glorieux héritage. Et pour prendre cet héritage, il faut la foi, il faut engager la foi. La Bible dit que le juste ne vit que par la foi. Quand on est dans le royaume, on vit par la foi, on marche par la foi, on agit par la foi, on parle par la foi, on mange par la foi, on sort par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu que Dieu nous a donné la grâce d'avoir. Il nous a fait naître de nouveau, il nous a donné sa foi à lui, sa confiance à lui. Nous ne sommes pas des gens religieux, non. Nous marchons dans la foi du Fils de Dieu, dans la foi que Jésus avait manifestée, dans la confiance que Jésus a manifestée. Puisse ta foi est grande, puisse tes résultats soient extraordinaires. Quand ta foi est grande, tes exploits sont inévitables. Quand la foi est grande, la vie devient merveilleuse et facile. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pour prendre l'héritage dont nous parlons, que Jésus nous a légué, que Jésus nous a donné, pour prendre cet héritage, il faut engager la force de la foi. Il faut la foi. Et la foi grande produit de grands résultats. Voilà pourquoi nous parlons de la force de la foi. Et nous appliquons la foi à une partie de notre héritage. Et un des héritages que Dieu nous a donné en Christ, c'est bien le domaine, c'est bien la capacité de sortir de toutes les influences démoniaques ou encore de sortir de toutes les malédictions. Les gens naissent et vivent avec toutes sortes de malédictions et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils vont consulter les féticheurs, les sorciers, les magiciens, les soi-disant hommes de Dieu dans le but d'essayer de sortir des malédictions qu'ils n'arrivent même pas à expliquer. Et on a vu qu'il y a tellement de types de malédictions, on ne pourra jamais trop parler des malédictions parce qu'il y en a tellement à dire. Il y a des malédictions qui ont été prononcées par des parents simplement, des paroles des gens qui avaient autorité sur nous. Ça peut être des paroles d'un frère, d'une sœur, d'un époux, d'une épouse, d'une amie. Ça peut être les paroles d'un agent des ténèbres. Ça peut être les paroles prononcées par ton grand-père, ta grand-mère. Ça peut être des paroles prononcées par les paroles mauvaises prononcées sur toi et tu vivais ces paroles et tu es devenu les paroles qu'on avait prononcées. Mais par le sang de Jésus, la semaine dernière, Dieu a brisé cette influence et je te dis que cette influence a vraiment été brisée. Une malédiction, toutes sortes de malédictions, les malédictions prononcées non seulement par les paroles, mais prononcées aussi les malédictions qui viennent dans ta vie par la désobéissance. Généralement, derrière une malédiction, il y a d'abord désobéissance à la parole de Dieu. Quand on désobéit à la parole de Dieu, on s'expose aux malédictions. Pourquoi? Parce qu'on se livre sans faire exprès entre les mains de Satan. Quand quelqu'un désobéit à l'instruction, à la parole de Dieu, il vient de se livrer lui-même entre les mains du diable qui n'attend que cela. Ce qui donne de la force à Satan, c'est le péché, c'est la désobéissance. Plus tu obéis à Dieu, moins Satan a du contrôle sur toi. Mais plus tu désobéis à Dieu, plus tu es en train de faire de ta vie un sandwich, un morceau de viande pour le monde des ténèbres. Les démons n'attendent que cela. Mais dans ta vie, ils ont commencé à échouer et ils vont totalement échouer. Les actes de désobéissance des hommes emmènent toutes sortes de malédictions. Nous avons aussi parlé des malédictions générationnelles, c'est-à-dire ces choses qui t'arrivent, mais que tu ne comprends pas tellement d'où ça arrive, mais tu vois que ça se reproduit généralement dans ta famille. Tu n'es pas le seul, tu vois des choses que ton père avait, ou que ta mère avait, ou que tes frères et tes sœurs ont, des caractères, des attitudes, des actes qu'ils posent, des choses qu'ils expérimentent. Et tu n'es pas le seul, c'est quelque chose, c'est comme une flèche qui court de génération en génération. C'est quelque chose qui te poursuit. Et après toi, ça va poursuivre tes enfants si tu ne traites pas cela. Mais bonne nouvelle, nous avons commencé, Dieu nous a dit de parler de ces choses pour briser ces influences, ces malédictions dans la vie de son peuple. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il fallait les détruire, c'est le Seigneur Jésus qui a dit maintenant assez, c'est assez. Il est temps de dire assez, c'est assez, et d'arrêter le cycle des malédictions afin qu'à partir de toi, waouh, commence la génération de la bénédiction. Oh, quelqu'un doit me dire amen ici. Oh. Il y a beaucoup à dire sur les différentes malédictions, mais mon frère, vraiment, il faut faire attention parce que personne n'a jamais dit je veux être maudit. Non, on ne dit pas cela, mais on pose des actes. On dit des choses, on fait des rituels qui nous engagent. On ne savait pas qu'on se plaçait sous le pouvoir de la malédiction. La malédiction, quelqu'un a fait un rituel. Il y en a même avant même de naître, tu avais déjà été dédicacé, dédié à une entité, dédié à un totem, dédié à un serpent, dédié à la reine du ciel.
ciel, dédié à un esprit des eaux, dédié à toutes sortes de crocodiles. On ne sait pas, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment ça a commencé, mais tu sais seulement qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie que tu n'aimes pas, qui te dérangent, que tu regrettes, mais que tu n'arrives pas vraiment à changer. Tu es comme pris en otage, tu es comme prisonnier. Tu essaies de sortir, mais ça ne sort pas. Tu essaies de prier, mais ça ne marche pas. Tu jeûnes, mais ça ne marche pas comme tu l'espères. Tu es sous l'influence d'une malédiction. Il y a une présence ou il y a des présences dans ta vie qui fait que tu es limité, tu es bloqué. C'est comme si vraiment les choses ne se passent pas comme tu le veux. Pourquoi? Généralement, derrière cela, il y a une malédiction. Ça affecte tes relations, ça affecte ta santé, ça affecte tes émotions, comment tu te sens. Ça affecte ton attitude, ça affecte ton comportement, ça affecte ta vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, par son sang, c'est par son sang qu'il a répondu à tous ces problèmes. C'est par son sang qu'on brise le cycle, qu'on brise les influences de ces réclamations. Ce n'est pas d'abord par la prière, non. C'est par la prière qui s'appuie sur son sang. Par la prière qui s'appuie sur son sang. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Pas par la prière du pasteur, mais par le sang de Christ. Si le pasteur prie, le pasteur s'appuie sur le sang de Christ et la puissance du Christ, le Saint-Esprit, pour libérer une âme. Dis-moi amen. Mais Dieu veut que son peuple acquiert la connaissance, la révélation. Dieu veut faire de toi quelqu'un d'indépendant, quelqu'un d'autonome. Indépendant dans le sens où le jour où quelqu'un n'est pas là, tu es là, Dieu est là, ça suffit, Satan doit souffrir. Le monde des ténèbres doit éprouver de lourdes pertes à cause de toi. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas que dès qu'il y a un problème, tu cours à l'église pour dire « imposez-moi les mains ». On peut le faire, on peut parler, on peut prier avec toi. Mais à un moment donné, il faut que l'enfant qui est devenu, qui était né, commence à... Il faut quand même à un moment donné que l'enfant apprenne à marcher tout seul, apprenne à aller prendre la bouteille d'eau quand il a soif, apprenne à aller manger quand il a faim, quand il a envie de manger. À un moment donné, on ne va pas toujours assister à un enfant. Non, un enfant, petit enfant, doit devenir enfant moyen, après doit devenir adolescent, après doit devenir adulte, doit devenir ensuite, voilà quoi. Hein, dis-moi amen parce que... Non, il faut me dire amen là, mon frère, il faut me dire amen. Donc, il faut dire à ton voisin, nous tous on doit grandir, tu vois, non? Nous tous on doit grandir. Dis-moi amen. Amen. Il a dit à Abraham, Abraham, j'ai de grands projets pour toi. Abraham, je veux faire de toi une grande nation. Je veux te rendre grand, je veux te bénir, je veux rendre ton nom grand, je veux faire de toi une source de bénédiction. C'est-à-dire qu'Abraham, par toi, et Dieu te dit la même chose, parce que tu es un descendant d'Abraham. Si tu es né de nouveau, tu es ce qu'on appelle la descendance spirituelle d'Abraham. Si tu es né de nouveau, tu es un enfant d'Abraham, un descendant d'Abraham. Ce qu'il a dit donc à Abraham s'accomplit pour toi. Ce qu'il a dit à Abraham, il te le dit à toi aussi. Il faut comprendre les Écritures, mon frère. Hier, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Aujourd'hui, c'est la réalité. C'est plus l'ombre, c'est la réalité. Ce qu'il a dit d'Abraham, c'était pour toi qu'il le disait. Parce que celui qui est né de nouveau est la postérité d'Abraham. Quelqu'un me dit amen. Donc quand il dit « Je ferai de toi une grande nation », un grand Dieu, un grand roi veut toujours engendrer des grands. Quelqu'un dit « Amen ». Tu ne verras pas un grand roi conquérant qui a envie d'avoir des enfants qui sont des minables. Jamais ça n'arrivera. Un grand roi veut des grands enfants. Un grand Dieu veut des grands enfants. Il dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai ». Il ne veut pas que tu sois maudit, il veut que tu sois béni. Mais pourquoi alors suis-je en train de vivre les conséquences des malédictions? C'est parce que, un, tu es ignorant, voilà pourquoi il envoie la parole, dit « Amen ». Et c'est parce que, deux, tu ne veux pas agir sur la base de la parole que tu entends. Il faut, un, entendre la parole, deux, agir sur la base de la parole. Abraham, je veux faire de toi, avec toi de grandes choses. Mais avant cela, Abraham, il faut que tu sortes. Il faut sortir. Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, c'est-à-dire ta région d'origine, ton ethnie. Oh, nous, les ethnies, un tel, mon ami, ne sois jamais fier, trop fier de ton ethnie. Sois fier du fait que tu appartiens à Christ. Sois fier de ta patrie céleste. Nous avons une patrie. Mon ethnie à moi, c'est le ciel. Ma patrie à moi, c'est le ciel. Ma région de naissance à moi, c'est le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né de nouveau ici parmi nous? Ma patrie à moi, c'est le ciel. Quand je vais partir, quand je vais mourir, ou en tout cas, quand je vais me séparer de mon corps, je partirai dans ma patrie. Ma patrie, c'est la patrie céleste. Ce n'est pas la patrie dont je suis dans telle région de l'Afrique ou du monde. Non, 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 mon ami, non. Et là, il faut sortir de cette influence. Oh, il y sort des influences de la maison de ton père, des influences démoniaques de la maison de ton père. Dis-moi amen. Amen. Tu sors des influences de ton ethnie. Dis-moi amen. Amen.
Et tu sors des influences de ton pays, des influences des présences démoniaques. Des entités démoniaques. Comme ça, quel que soit le lieu où tu habites, mon ami, ce qui se passe dans le lieu ne te touche pas. Il faut la foi pour le croire. Il faut comprendre la parole. C'est quand tu comprends la parole que ta vie change. La vie ne changera pas quand tu dis Amen. La vie change quand tu comprends et tu dis Amen. Il faut comprendre. Voilà pourquoi il faut prendre le temps d'écouter. Voilà pourquoi on redit les mêmes choses tout le temps. Quelqu'un me dit Amen. Donc il y a multitude de manifestes, multitude de malédictions, d'oppressions démoniaques qui détruisent la vie des gens, mais les hommes ne sont pas toujours conscients. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on parle d'un domaine particulier encore, afin que tu sortes de là. Parce que je te dis que Dieu veut te faire sortir. Toi, mon frère, écoute-moi bien. Ma soeur, écoute-moi bien. Tu viens à l'église dimanche après dimanche. Ne viens pas à l'église pour aller à l'église. Après là, il faut que tu prennes le message, l'enseignement, que tu les réécoutes. Que tu lui réécoutes. Jusqu'à ce que la parole que tu as écoutée là, elle fasse partie de toi totalement. Il faut que la parole que tu entends, tu demeures dans la parole. Ne viens pas, on est dimanche, qu'est-ce que tu as fait depuis dimanche dernier? Je ne sais pas, mais tu devrais t'asseoir dans la parole. Prends la parole de Dieu au sérieux. Dieu fait tout par sa parole et par son esprit. Dieu ne fait rien sans la parole. Nous essayons de prendre des raccourcis pour aller chercher homme de Dieu, ça ne marche pas. Tu peux obtenir même une guérison, un miracle, mais ton destin n'est pas changé. Ton sort n'est pas changé. Tu peux être guéri sans jamais pouvoir accomplir ton destin. Tu as été créé pour un but, tu dois accomplir le but pour lequel tu es né. Et ça, ça passe par la puissance de la parole et celle du Saint-Esprit. Dis Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut demeurer dans les Écritures. Réécoute les messages que tu entends. Si tu sais que tu avais été touché un dimanche, prends le temps de revenir dessus. La parole devient chère que lorsque je l'ai prise. Méditer, écouter, réécouter, réécouter. Tu n'as jamais tout compris une première fois, ni une deuxième fois. Mais au bout de la 3, 4, 5e fois, la parole commence à te pénétrer. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, demeurez, reste, prends le temps dans sa parole. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? On prend le temps dans la parole, on demeure dans la parole. Et c'est là qu'on devient disciple. Et un disciple, il dit, vous connaîtrez la vérité. Elle va vous rendre libre. Ça t'évitera de courir à gauche, à droite. Non, tu cours dans la parole, tu t'établis dans la parole. Alors Dieu veut te parler ce matin. Il faut que tu écoutes et que tu mettes en pratique ce que Dieu dit ce matin. Dis-moi Amen et je continue. Une des formes de malédiction dont on ne parle pas souvent, que les gens ne comprennent pas souvent, il y a d'autres types de malédictions. On a parlé des échecs, on a parlé de l'instabilité, on a parlé du retard, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé des infirmités, des maladies. Surveille généralement ce qui est régulier, ce qui est récurrent. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te fait mal, qui te dérange, qui crée chez toi de l'inconfort, c'est généralement la manifestation, le signe d'une présence, d'une entité invisible, mais qui n'est pas bonne, d'un esprit mauvais, si tu veux, tout simplement. Et tu dois savoir comment reconnaître, on est en train de parler de comment sortir des malédictions, mais pour les sortir, pour en sortir, il faut d'abord les reconnaître, dis Amen. Tu ne peux pas sortir de quelque chose que tu n'as pas identifié, mais dès que tu as identifié, pointe du doigt et confronte la situation. Dis-moi Amen. Et il y a un type particulier de malédiction dont je veux parler parce que Dieu veut t'en faire sortir ce matin. Et on le retrouve dans Deutéronome chapitre 28. Il s'agit de la malédiction de la confusion. Il s'agit de la malédiction de la confusion. Dis avec moi la confusion. Dis avec moi le déshonneur. Dis avec moi la honte. L'humiliation. Il y a des gens qui vivent des situations de honte. Enlève d'abord le verset. Il y a des gens qui vivent des situations de déshonneur, où tu es déshonoré. Fais attention parce qu'on peut être déshonoré une fois ou deux fois. Ça ne veut pas dire qu'on est sous l'influence d'une malédiction, non. Mais quand quelque chose est cyclique, quand quelque chose revient régulièrement, quand quelque chose se produit à des intervalles bien réguliers et tu ne fais pas exprès et tu ne cherches même pas la chose, mais ces choses te rattrapent, fais attention. Tout ce qui est cyclique, tout ce qui est récurrent, tout ce qui revient est généralement signe qu'il y a une présence ennemie, il y a une entité impure, il y a un esprit impur qui a été envoyé par quelque acte
qui a été fait, que tu saches, que tu ne saches pas, que tu en sois conscient ou pas. Mais fais attention à tout ce qui est récurrent, tout ce qui est récurrent. Il y a des situations qui se produisent, des situations de confusion. Tu te retrouves dans la confusion, tu te retrouves dans l'humiliation, humiliation en permanence, humiliation régulière par les gens, humiliation régulière dans ta maison, la honte régulière, l'humiliation, le déshonneur, tu es disgracié, tu es méprisé régulièrement, je dis bien régulièrement, tu habites dans une maison, tu travailles quelque part, tu es marié par exemple, mais tu es régulièrement humilié, régulièrement écrasé, régulièrement méprisé, je dis bien régulièrement, et c'est ça, de temps en temps, ça revient trop souvent. Non, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui est en train de vouloir saper ta vie. Il y a quelqu'un qui veut te créer de la confusion, de la honte, de l'humiliation. C'est quelqu'un qui est derrière. Dis-moi amen et je continue. Dans Deutéronome chapitre 28, Deutéronome 28, c'est le livre où Dieu expose les conséquences, les manifestations, les effets des bénédictions et les effets des malédictions. Donc, quand tu lis Deutéronome 28, il y a de quoi être effrayé. Il ne dit pas tout d'ailleurs, hein, mais il donne une bonne liste de comment reconnaître que je suis sous une malédiction. Dis-moi amen. Ne t'inquiète pas, avant c'était une fatalité parce que tu voyais, mais tu ne pouvais rien faire. Non, là maintenant tu vois, mais par le sang tu sors. Tu découvres, par le sang tu sors. Tu vois, par le... Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Par le sang de Jésus, tu sors. Par le sang de Jésus versé pour toi. Fièrement, tu dis, moi, ça là, identification. Très bien. Maintenant, par le sang de Jésus, je sors. Ça, c'est ta réaction à toi. Ça, c'est ta part à toi. Jésus ne va pas le faire pour toi. Jésus a donné le sang. À toi de prendre le sang. Tu dis, par le sang de Jésus, je sors de là. Dis-moi amen. Alors un exemple, c'est juste un exemple, hein, de situation de confusion, de déshonneur, d'humiliation auxquelles les hommes peuvent être exposés, de honte auxquelles les hommes peuvent être exposés, mais ils ne font même pas toujours exprès. Donc regardons Deutéronome chapitre 28 au verset 30, le Seigneur dit à Israël, son peuple, il va se passer des choses, des événements, observe les événements. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Mais... tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Le bœuf, c'était généralement le symbole de la prospérité. D'ailleurs, si on voulait te rendre riche, on te donne quelques bœufs et après, toi, tu les reproduis. Mais tu as des bœufs, ils sont égorgés sous tes yeux, mais toi, tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. Il dit à Israël, voilà ce qui va se passer quand tu vas désobéir à la parole de l'Éternel. Voici les malédictions qui fondront sur toi. Il dit, tu auras une âne. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te la rendra pas. Autrement dit, quelqu'un va voler ton âne. L'âne aussi, c'était le symbole de la prospérité pour faire les travaux. Tes brebis seront données à tes ennemis. Oh, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Au verset 32, il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et ils languiront. Tes yeux vont se fatiguer à attendre le jour de leur retour où ils seront libérés. Mais tu ne verras jamais revenir tes enfants. Donc tu mets des enfants au monde et quelqu'un ravit tes enfants pour les envoyer à l'esclavage, à la prostitution. Quel déshonneur, quelle humiliation, quelle honte. Ce sont juste des exemples qui donnent. Dis-moi amen et je continue. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Tout ce que tu produis comme travail, quelqu'un va le manger. Quelqu'un d'autre va en bénéficier. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé, oppressé et écrasé. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il donne des exemples de vie de confusion, de vie d'humiliation, de déshonneur. L'homme a été fait pour être honoré. Un homme doit être honoré. Quand je parle d'un homme, je ne parle pas de mâle. Je parle de l'homme et la femme. Dis amen. Fait pour être honoré. Maintenant, Dieu dit, regarde, pour montrer parmi les signes de malédiction qui pèsent sur la vie des hommes, il va se produire des événements. Un homme qui est bien disposé, il prend une femme. Oh, la femme le trompe avec un autre homme. Il dit, ok, ce n'est pas grave. Il en prend une autre encore. Elle te trompe encore avec un autre homme. Il en prend encore une autre. Elle te trompe encore avec un autre homme. Encore une autre. Hé, mon frère, il faut t'arrêter.
Bip, 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 alerte, alerte, ce n'est pas normal. Tu as beau être gentil, tu as beau être... Et à chaque fois, des événements se créent, des circonstances étranges se créent pour qu'il y ait rupture, pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. Et ça peut être aussi toi, homme, qui trompe ta femme. Dis-moi amen. Parce que ce n'est pas seulement dans l'un sens, hein, c'est aussi dans l'autre sens. Il faut laisser les femmes tranquilles. Hey, fais les fiançailles, ouais, vive les futurs mariés. Boum, ça s'arrête. Après, on commence encore les fiançailles. Ouais, regarde ma bague. Boum, ça s'arrête. Troisième fois, je vais me marier encore. Boum, ça s'arrête. Quatrième fois, on dit, hey, maman ne sera pas là. Cette fois-ci, on ne viendra pas. On ne croit plus. Ah, ce que tu vas vivre généralement dans cette situation-là, c'est la honte. C'est la confusion. Tu es confus. La confusion. Je ne sais plus. Pourquoi ça m'arrive? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Confusion, honte, déshonneur. Un homme, une femme qui construit sa maison dans le but d'y habiter. Il construit sa maison. Dur labeur, dur travail. Pendant quelques temps. Au moment d'entrer dans la maison, pouf, impossible d'entrer dans la maison. Quelqu'un prend ta maison. Quelqu'un même confisque ta maison. Waouh! Tu plantes une vigne, tu ne peux pas en jouir. Tu fais des travaux, agriculture, ça ne marche pas pour toi. Quelqu'un en profite toujours à ta place. Là où tu mets tes espoirs pour le lendemain, quelqu'un vient manger le produit de ton avenir. Quelqu'un vient saboter tes projets à venir. Le déshonneur, l'humiliation, la confusion. Si quelqu'un me suit, dit amen. Il dit, il n'y aura personne pour venir à ton secours. Il y a donc des situations, mon frère, qu'on appelle des situations de confusion. Ce n'est même pas que tu fais exprès, c'est juste que les circonstances sont là et elles font que ce que tu espérais, tu ne l'as pas et ça se retourne contre toi. Des fois, ça peut être de la maltraitance, la confusion. Tu habites dans une maison où on fait que t'injurier, t'insulter. Et fais attention, frère, fais attention. Maman, n'insulte jamais tes enfants. Mon frère, n'insulte jamais tes enfants. Le problème, c'est que beaucoup le font aujourd'hui, ils ne font même pas exprès. Tu as grandi dans une maison où toi-même tu étais maltraité. Les gens maltraités, qui n'ont pas confronté la maltraitance, quand ils ont des enfants, ils vont se décharger sur leurs enfants. Toi, tu es bête. Zoba, dégage là-bas. Tu vas mourir, toi. Hein? Je vais te tuer. Hein? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah, va là-bas. Zoba, mépris. Quand tu es là, on ne te calcule même pas. C'est de l'humiliation. Les gens arrivent chez vous à la maison. Allez, toi, pars, pars, pars. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si elle avait un démon. Allez, longue, longue, longue. Pars, dégage ici. Pourquoi tu me parles comme ça? Humiliation. En public, hein? Et même en privé. Et à chaque fois, tu as mal au cœur. À chaque fois, tu es blessé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu es là, c'est comme si tu n'étais même pas là. Et déjà ici là, tu es quelque part. Dégage, dégage. Allez, dégage. Je suis venu te dire bonjour. Dégage. Mais pas une fois, mais plusieurs fois. Même dans ta propre famille. Allez, dégage. Tonton, dégage. Bon, je vais chez tata. Dégage. Chez tonton. Hé, hey, toi aussi, dégage. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si tu portes une présence qui fait fuir les gens, qui rejette les gens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Est-ce que tu connais quelqu'un au moins qui est un peu comme ça? C'est comme si, parfois on l'appelle Monsieur Poisse. C'est-à-dire, c'est comme si tu amènes la poisse. Et quand tu vois, on doit te mépriser. On te méprise, on te rabaisse, on te maltraite. La maltraitance, ça peut être des paroles. La maltraitance, ça peut être aussi des actes physiques. On te tape pour rien. Généralement, ceux qui le font, généralement, ils ont été soit exposés à des choses démoniaques, à des pratiques occultes, c'est la vérité. Les gens qui font ça là. Maintenant, fais attention parce que ça peut être juste spontané. Ça peut être un truc que tu allais faire toi-même, au pire du coup, les démons sont venus en toi, ils sont venus de ta vie, et maintenant tu fais les choses de ces démons-là, c'est vrai. Mais ça peut se tenir dans un truc de famille. Il y a des parents, quand ils gueulent sur leurs enfants, il ne faut pas exprès. Dans leur maison là-bas aussi, ça tapait. Hein. Quand tu as vécu dans une famille de ce type-là, mon frère, tu dois prendre la résolution de sortir de cette influence. Parce que tu vas reproduire les mêmes choses dans ta famille. Il y en a qui ont dit, je ne ferai jamais ce que mes parents m'ont fait. Faux!
Je ne ferai jamais à mes enfants ce que mes parents m'ont fait. Faux! Tu feras exactement comme tes parents. Les influences spirituelles sont plus fortes que les paroles. Les gens, parfois, ils subissent des choses. Ils disent, mais pourquoi je fais ça moi aussi? Il y en a qui sont tellement remplis de colère qu'ils humilient constamment leurs enfants, leurs amis. Ils ne font même pas exprès. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La colère. Voilà encore une autre manifestation de la malédiction. Je suis en train de vous parler des choses qui sont récurrentes, qui reviennent régulièrement, très constamment. Et du coup, toi, tu te sens comment? Honteux, humilié, confus. Si quelqu'un me suit, dis amen. Est-ce que quelqu'un parmi nous s'est déjà senti déshonoré, humilié, quelque part? Bon, vous les autres là, ça vous est jamais arrivé? Waouh! J'ai une réponse pour vous encourager. Vis encore. Vis encore. Parce que des fois la vie, ce n'est pas tellement toi le problème. Parfois tu n'aimes pas, tu n'as rien fait, mais les gens vont venir t'humilier, te déshonorer, te disgracier, te mépriser. C'est terrible d'être méprisé. Qui a déjà vécu le mépris? Le mépris, c'est quand quelqu'un... C'est-à-dire, tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. On ne te calcule même pas. Même pas bonjour. Et, juste un regard. Et puis, le gars, il s'en va. Le mépris. Mais quand ça arrive une fois, deux fois, ça peut aller. Mais quand c'est répétitif, mon ami, il y a une présence dans ta vie, il y a une oppression dans ta vie, il y a une influence dans ta vie qui fait que les gens se sentent poussés à le faire ça quand c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est comme s'il y a une présence qui fait que tout ce que tu vis doit se résumer en humiliation. Voilà. Tu es intelligent, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas méchant, mais les gens, quand ils sont avec toi, ils sentent le besoin de t'humilier. Et même, je veux te dire, ils se moquent même de toi. Au verset 37, il est écrit, parmi les conséquences, parmi les manifestations, il dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, c'est-à-dire des rires moqueurs. On va même faire des chants pour toi, des proverbes pour toi, juste pour te rabaisser, pour t'humilier. Tu seras un sujet de raillerie parmi les peuples. C'est-à-dire, on va se moquer de toi. Quand tu arrives, on dit, hey, il est là. Quand tu n'étais pas là, personne ne riait. Quand tu arrives, ta présence va faire rire les gens. Mais en mal, hein? Ah, parce que ça n'est jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Tu arrives quelque part, les gens rient. Mais pas en bien. Humiliation. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous riez? Oh, toi, va là-bas, regarde-le. Il compose des psaumes pour toi. Regarde le Toto, Toto est arrivé. Regarde le Toto, Zoba est arrivé. Et ils font en sorte que les autres chantent leur chant pour toi. À ta plus grande honte, à ton plus grand déshonneur. Tout cela pourquoi? Te déshonorer, t'humilier, te mépriser, t'écraser. Pourquoi ils te le font? Parfois, ce n'est pas juste eux. Il y a une présence. Et comme ils ne sont pas sauvés, dis amen. Ce genre d'esprit ne peut réagir que dans la présence des gens qui ne sont pas restaurés, qui ne sont pas transformés. Moi, je vois ça, je te blâme tout de suite, je vous dégage. La plupart des gens, comme ils ne sont pas sauvés, comme ils ne sont pas restaurés, eux, ils vont se joindre à la clique pour te taper dessus, pour te mépriser, t'humilier. Je suis venu te dire ce matin que c'est une malédiction. C'est une influence démoniaque qui est dans ta vie, que tu as contractée. Ça peut être de manière générationnelle. Fais attention. Quelle que soit la manière dans laquelle elle est venue, la bonne nouvelle, c'est qu'elle doit s'arrêter. Et elle doit s'arrêter aujourd'hui. Et elle s'arrêtera si toi, tu dis qu'elle doit s'arrêter. Si Dieu parle à quelqu'un ce matin, réponds amen. Amen. Si c'est à toi que Dieu parle, réponds amen. Amen. Et tout à l'heure, pendant qu'on va prier, on va prier juste quelques instants. Si tu connais quelqu'un qui vit ce genre de situation, humiliation, angoisse, toujours honte, déshonneur, tu dois prier pour cette personne. Parce que ce sont des influences démoniaques. Et on sort de ces malédictions, on brise ces influences en s'appuyant sur le sang. Et par le sang. Toujours par le sang. Toujours par le sang de Christ.
Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut continuer? Il y a un autre type de manifestation de malédiction que tu dois apprendre à reconnaître. Là, on est en train de parler en fait des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Qui a déjà vu la confusion? Autant il y a des malédictions qui se manifestent par des maladies, par des infirmités, etc. C'est vrai. Mais là, on parle des choses qui se manifestent, qui touchent ma vie, mais qui ne se voient pas. Parce que ça touche mon cœur, ça touche mon âme, ça touche mes sentiments. Ça m'affecte, j'ai mal. Mais qui a déjà vu la confusion? Qui a déjà vu la honte? Non, personne. Mais on voit les effets de la honte. Qui a déjà vu la colère? Non, mais on voit les effets de la colère. Qui a déjà vu l'humiliation? Personne, mais on voit les effets de l'humiliation. Si quelqu'un me suit, dit amen. Et ces choses viennent de ton cœur. C'est ton cœur qui est humilié. C'est ton cœur qui est brisé. C'est ton cœur qui est méprisé. Tu te sens méprisé parce qu'on t'a méprisé. Aujourd'hui, finalement, tu ne pars pas d'ici sans que cette influence ne soit détruite sur ta vie par le sang. Quand Dieu envoie une parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il entend attendre de toi, est-ce que tu entends entendre? Et puis après, est-ce que maintenant la foi va dire, bon, assez, c'est assez. Il veut que tu mettes ta foi pas dans le pasteur, mais dans sa parole. Et quand tu entends sa parole, c'est comme si tu venais de prendre la balle. Maintenant, tu dois shooter, pouf, sur la tête du diable pour le décapiter, briser son influence sur ta vie. Si quelqu'un me suit, tu me dis amen. Un autre type de malédiction, d'influence qui mine les gens, qui pourrissent, qui détruisent la vie des gens, que les gens ne font pas attention. Est-ce que je peux continuer? Hein, il en parle à partir du verset 65. Il dit, là encore, les conséquences, les manifestations des malédictions qui vont tomber sur le peuple. Il dit, parmi les nations où tu iras, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. C'est-à-dire, tu n'auras même pas un lieu où tu pourras... je suis enfin tranquille. Je suis enfin calme. Non, pour toi, tu n'auras pas ça. Non. Il dit, l'Éternel rendra ton cœur agité. Ton cœur tremblant. Wow. Tes yeux languissant, affaibli. Quand on voit même tes yeux là, on sent que le gars, ma soeur, tu es paumé. Tu es fatigué avec un grand F. Ton âme souffrante, c'est-à-dire découragée. C'est-à-dire découragée. Dis avec moi, découragée. Je reprends, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos. Ce sont les manifestations des malédictions. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Ton cœur sera tremblant, toujours agité. Tes yeux toujours affaiblis. Ton âme, donc ton cœur toujours découragé. C'est verset 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, ah, il faut que le soir arrive, hein, vraiment, que le soir arrive. Et tu diras le soir, ah, il faut que le matin arrive, hein, vraiment, le matin doit arriver, hein, vraiment. De quoi il est en train de parler? Il est en train de parler d'un type de malédiction. Plusieurs choses il est en train de dire ici. Il parle d'abord de la peur. Dis avec moi la peur. Tu ne seras jamais tranquille. Un cœur agité, c'est un cœur qui a de fortes peurs. Des peurs injustifiées. Des peurs que tu ne peux pas expliquer. Même quand tu es à l'église, tu as peur. À la maison, tu as peur. Tu parles aux gens, tu as peur. Traverser la route, tu as peur. Rentrer à la maison, tu as peur. Sortir de la maison, tu as peur. Étudier, tu as peur. Travailler, tu as peur. Je vais même te dire une chose, tu as même peur d'être béni. On veut te faire du bien. Pourquoi moi? Non, mais Dieu m'a mis à cœur de te... Aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, cette influence, la parole est libérée pour toi pour briser cette influence sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Donne un meilleur amen pour cette parole. La peur, peur de tout. Quand quelqu'un a de fortes peurs, de fortes paniques, mon ami, ce n'est pas normal. Une fois, deux fois, je peux comprendre. Mais il y en a quelqu'un ici. Là. Tu dors. Dès que tu entends ce moment,
Dès qu'il pleut, pays tropical. Je vais dormir dans la chambre de papa, dans la chambre de mon soeur, dans la chambre de mon frère. Pourquoi? C'est quoi ton problème? Il y en a pendant que ça fait pas grand-chose, ils sont calmes. Les brondobacites, les protobacites. Mais toi, quand ça commence à faire du bruit, même le moindre bruit. Mais ça t'arrive fréquemment. Ce n'est pas une fois ou deux fois. C'est régulièrement. Si tu me suis dit Amen. Si ce n'est pas toi, tu connais quelqu'un qui souffre de ce genre de choses. Si tu en connais, il faut prier pour lui tout à l'heure. C'est un esprit de peur. La peur n'est pas une émotion, comme vous croyez. C'est vraiment une entité spirituelle. Un jour, j'étais en train de prier. Il y a une dame qui vient me voir et me dit, pasteur, en fait non, c'est moi qui ai constaté qu'elle avait peur de tout. Elle avait un enfant. Dès que l'enfant, un enfant de 5 ans, dès que l'enfant sort, mon fils est où? Il est où? Il est où? Hé, qu'est-ce qu'il a? Il fait quoi? Viens ici, il faut rester avec maman. Il faut rester avec maman. Avec maman. Avec maman. Ah, et toi aussi. Le petit doit marcher, c'est un enfant, il doit marcher dans la maison. Il est où? Il est où? Elle paniquait pour tout. Dès qu'elle est à la douche, l'enfant est à la douche. Elle est aux toilettes, l'enfant est aux toilettes. Hé! Hey! Bon, la peur. Elle a tout en peur. Et puis moi, je dis, mais c'est quoi ton problème? Elle dit, je ne sais pas, je suis inquiet. Regarde, ne joue pas là, arrête de monter là. Il est souvent sous une chaise. Attention à la fourchette, attention au couteau. C'est... Attention à la cuillère, il peut avaler, il peut avaler. Hey! Viens avec moi, waouh! Elle s'agite pour tout. Hey, c'est quoi le problème? Et puis un jour, je dis, non, toi viens ici, ce n'est pas normal. Toi, tu es prisonnier de la peur, d'un esprit qu'on appelle peur. Et vous savez quoi? Elle dit, ouais, peut-être. Hein. Elle dit, prie pour moi. Hein. J'ai dit, oui, j'ai prié pour toi. Et puis, dès que je vous ai prié pour elle, j'ai dit, esprit de peur, qui t'a donné le droit de tourmenter cette âme? Sors au nom de Jésus. Sors! Elle tombe. Et puis, dès qu'elle tombe, écoutez, là, c'est pas elle. L'esprit parle. Je la fais peur, je la fais peur, je la fais peur, je la fais peur. Et puis, elle fait comme ça, là. Je la fais peur, je la fais peur, je la fais peur. Et puis elle fait ça, là. Je suis la peur, je suis la peur. Je la tiens, je la tiens. Je dis, par le sang de Jésus, ton pouvoir est brisé. Bah, au nom de Jésus-Christ. Et puis, finalement, la sœur est libérée. Quand elle est libérée, elle dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Yves, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je dis, pas seulement, maman. Tu es libre. Donc, non, mon frère, tu dois comprendre que ça, ce n'est pas qu'elle veut avoir peur, non. Mais c'est un esprit de peur. Dis Amen. Amen. De la même manière, là, on parle. Tu ne seras pas tranquille. C'est un esprit de triste. Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit de tristesse? Un esprit de tristesse incontrôlé, injustifié. On était en train de parler il y a 5 minutes. On était bien. 5 minutes plus tard, on ne sait pas quelle mouche t'a piqué. Ou quelle pensée est rentrée dans ta tête là. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Elle vient de basculer de la joie à la tristesse. Elle ne fait pas exprès, elle est otage. L'esprit vient de se manifester. Il y a des couples qui vivent cela. Il y a des gens mariés qui vivent cela. Oh, j'en connais. Le pasteur connaît beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens comme ça là. Ils rentrent en hibernation comme un sous-marin. Pendant les 4 prochaines semaines, elle ne parle plus. Sous-marin. Au bout de la 4e semaine, elle ressort de l'hibernation. Ça va? Oh. Quelqu'un me dit waouh! Quelqu'un me dit waouh! Elle est otage. C'est une prisonnière. Elle est prisonnière d'un démon. Un jour, je reçois une sœur. Elle vient me dire, ah, vraiment miséricorde. Elle dit, pasteur, vraiment, je me sens toujours triste. Je me sens toujours triste. Et même quand elle me parle, elle dit, je me sens triste. Vraiment, je me sens triste. Je dis, OK. Et pendant qu'elle est en train de me parler, elle rentre en hibernation. Je me sens vraiment triste. Et moi, pasteur, Dieu, c'est là, moi, je dis, oh. Pendant qu'elle me parle même en face de moi, là, quoi? Hé, hey, démon! Elle me parle, hein? C'est comme si elle s'est endormie. Je me sens vraiment triste. Je dis, ah non, là, c'est ton jour de délivrance aujourd'hui. Assez, c'est... Assez! C'est quoi?
Et je lui dis, esprit de tristesse. Toi, tu es vraiment l'esprit. C'est-à-dire, tout ce qu'elle fait, c'est de la tristesse. Et entre parenthèses, quand elle vient quelque part, elle amène la tristesse dans l'environnement dans lequel elle vient. Elle avait des enfants. Quand les enfants sont là, quand elle est là avec ses enfants, les enfants, eux aussi, maintenant, sont tristes. C'est un esprit mauvais qui fait ça. Et tu vois, ce genre de choses-là, si tu ne les confrontes pas, ça va détruire tes enfants et les enfants de tes enfants. Tes enfants qui étaient appelés à être joyeux vont devenir eux aussi des enfants qu'on appelle tristesse. J'ai dit, ma soeur, assez, c'est assez. Et alors, je me rappelle ce jour-là, je lui dis, bon, esprit de tristesse. Ils ne m'ont pas touché. Hein? Je dis, esprit de tristesse. Dans le nom de Jésus-Christ, tu la libères et tu sors. Et là, la dame, elle tombe. On ne tombe pas toujours, hein? Rassurez-vous. Elle tombe. Et dès qu'elle tombe, regardez, l'esprit se manifeste. Elle m'aime. Je l'aime. Elle est triste. Écoutez ce que l'esprit me dit. Hein? Elle aime être triste. Elle aime être triste. Je l'aime et elle m'aime. Et puis elle parle qu'une fois de tristesse. Je l'aime. Elle m'aime. Ne me chasse pas. J'ai dit, je te commande. Sors et tu sors même vite. Elle dit, oui, mais elle-même. Dors au nom de Jésus-Christ. Et quand l'esprit sortit, la dame se relève. Oh, 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 pleine de joie. Oui, c'est normal, l'esprit est parti. Donc, tu vois, la tristesse, ce que les gens vivent, qu'on appelle tristesse, est un esprit. Dis-moi amen. Mais toi, tu dis, mais arrête d'être triste, non? Arrête d'être triste. Mais il veut arrêter, mais il n'arrive pas à arrêter. Il n'arrive pas parce qu'elle est otage. Quelqu'un doit briser ce cycle, cette influence démoniaque sur sa vie dans le nom de Jésus. Et si tu es dans cette catégorie, bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est ton jour pour t'en échapper. Aujourd'hui, tu échappes par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, tu t'en échappes aujourd'hui. Il dit, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas de lieu de repos. L'Éternel rendra ton cœur tremblant. Là, il parle de la panique. L'esprit de panique, c'est l'esprit de peur. Mais là, c'est un peu plus que la peur. Là, c'est l'angoisse. La dépression. Tu sais qu'il y a des gens qui sont toujours angoissés. Ouh là là. Faites attention. Maman, vous transmettez parfois vos angoisses à vos enfants. Il y a des mères, il y a des enfants, il y a des pères que je connais tellement angoissés pour tout. Comme la dame dont on parlait tout à l'heure là. Tellement inquiet. T'as vu quelqu'un qui est inquiet, lorsqu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, il est inquiet. Inquiet pourquoi? Je suis inquiet. Ça, c'est un esprit qui travaille avec l'esprit de peur. La panique, l'angoisse. Vivement que demain arrive. Hein? Vivement que demain arrive. Si on te dit que ah, ton enfant a la fièvre. Mon enfant a la fièvre. Il a pas pour la fièvre, oh, Seigneur. Mais tu pleures pourquoi? Il a le palu ou la fièvre, pourquoi tu pleures? Il va mourir, hein? Il va mourir. C'est un démon qui te fait ça. C'est un esprit mauvais qui te tourmente. Il tourmente ton âme. Il tourmente tes sentiments. Il tourmente tes émotions. Si c'est ton cas, il doit sortir aujourd'hui. Panique pour rien. Tu n'as pas vu à l'hôpital? Personne n'est mort. Dès qu'on se dit opération. C'est là qu'il faut manifester la foi. Je sais comment ça peut diffuser la panique. On va l'opérer. Elle a le bloc opératoire. Au bloc opératoire, il y a des pleurs. Quelqu'un me dit miséricorde. C'est là que le juste doit se lever pour dire je plaide le sang de Jésus dans cette pièce. Je plaide le sang de Jésus sur cette pièce. Je commande à l'esprit de mort, tu enlèves tes mains, tu ne touches pas mon frère, tu ne touches pas ma soeur, je brise ton pouvoir, je brise ton influence sur la vie de cette personne. L'opération se passera très bien par le sang de Jésus et moi j'ai parlé de la part de Dieu, il en sera ainsi. Il y a des gens qui aiment subir, tu n'as pas été créé pour subir, tu as été créé pour commander. Tu vois une montagne se lever, tu la rabaisses. Tu vois une situation souvenir, tu dis, hey, dégage de là. Je croyais que j'avais parlé à quelqu'un d'un homme de foi ici, d'une femme de foi. Il dit, ton âme sera souffrante. Là, il parle de l'esprit de découragement. Ton âme sera découragée. Est-ce que tu connais des gens qui se découragent pour rien, sans cause? On n'a rien fait. De la même manière que la tristesse, tu rentres en hibernation de la tristesse sans faire exprès. Il y a des gens aussi qui sont découragés pour rien.
Le découragement, c'est un esprit. Le découragement. Tu as un projet, tu veux étudier. Quelqu'un t'a... Un petit revers, une petite situation. Je laisse tomber. J'abandonne. Tu abandonnes quoi? Je ne sais pas, j'abandonne. Pourquoi tu abandonnes? J'en ai marre, je me sens découragé. Le découragement est un esprit. Il attaque tes pensées. Il attaque ton âme. Et du coup, tu te sens... C'est une maladie. Surtout quand ça dure depuis longtemps. Regarde même ta mère ou ton père ou tes frères sont comme ça. Toujours découragés. La vie, il y a des combats. Ceux qui remportent les combats de la vie, ceux qui se battent. Mais quand on dit battez-vous, bah, oh, on va encore perdre. Oh, tu sais, on avait déjà essayé hier. Hein? Mon ami, tu as essayé hier. Moi, je n'essaie pas hier. J'essaie tous les jours jusqu'à ce que je gagne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont comme ça dans ce lieu? Donne un bon amen pour toi-même. Mais si tu n'affrontes pas l'esprit de découragement aujourd'hui, un jour, il va t'affronter. Il va te paralyser. Si tu n'affrontes pas l'esprit de panique aujourd'hui, là, tu sais qu'il y a des gens qui avaient un entretien d'embauche, un poste prestigieux. Mais le poste était tellement prestigieux, l'entreprise était tellement prestigieuse, quand le gars est arrivé devant le recruteur, frère, impressionné par la taille de l'entreprise, par la personne qui est en face de lui, ne sois jamais impressionné par un homme. Sois impressionné par Jésus le Christ. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Ne sois jamais impressionné par un homme. Ah, le gars là, c'est un homme fort. Non, mon ami, c'est Christ qui est fort. Oh, donne un meilleur amen pour Jésus. Le gars, il arrive en entretien et sans faire exprès, il panique. Il n'avait pas confronté la panique, l'angoisse hier quand il fallait le confronter. Il n'avait pas combattu, il n'avait pas brisé le pouvoir de l'angoisse, de la panique sur sa vie. Donc du coup, il arrive devant le gars. Monsieur, vous avez le bon profil. Oui, oui, oui. Et pendant qu'il est en train de parler, il commence à trembler. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Il fait pipi. Ah oui. Quelqu'un me dit, aïe! Miséricorde! Pipi! Mandela, il voit un pipi, hein? Monsieur, merci. L'entretien est terminé. Monsieur, merci. Vous pouvez vous en aller. Non, mais je voulais passer l'entretien. Trop tard. Il fallait attaquer l'esprit de... Tout ce que tu ne confrontes pas aujourd'hui va te poursuivre demain. Et toi, tu ne permets pas que quelqu'un te poursuive. Le but de la parole donnée, c'est pour te réveiller, pour te montrer, ah, là, il y a un problème. Mais bas la terre, ne t'inquiète pas. Comme il y a un problème, hier, tu étais sans espoir, tu ne sais pas comment faire pour en sortir. Mais aujourd'hui, tu dis, merci Seigneur de me révéler les problèmes. Révèle-moi ce monde. Révèle-moi. Révèle-moi. Seigneur, révèle seulement. Et quand tu révèles, il t'envoie la parole. Il envoie sa parole. Et toi, maintenant, tu prends comme un ballon, tu dis, allez, Satan, dehors! Dans le nom de Jésus et par son sang, je brise ton pouvoir. C'est comme ça. Dis amen. Le découragement ne prévaudra pas sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu trembleras la nuit et le jour. À partir d'aujourd'hui, tu ne trembleras ni la nuit, ni le jour, et tu seras en paix. Cet esprit d'angoisse, de dépression, cet esprit de tristesse qui te remplit, il te donne, il te fait souffrir. Quelqu'un qui est comme ça n'est pas heureux. Tu sais ce que tu perds? Tu ne connais pas ce qu'on appelle la paix. Non, tu ne connais pas ce qu'on appelle la paix. Tu es tellement angoissé. Il n'y a pas de paix. Et les gens pensent que tu es normal. Tu n'es pas normal. Les gens te plaignent, mais ils ne savent pas comment te faire sortir de là. Bonne nouvelle. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu puisses sortir de ce genre de situation. Ce genre de situation d'angoisse, de panique, de tristesse, de découragement. Finalement, finalement, toi, tu sors aujourd'hui. J'ai dit que tu sors aujourd'hui. C'est ton choix. Hein? Si tu dis souvent, elle m'aime, il m'aime, je ne t'aime plus, tu dégages ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Si je parle à quelqu'un dans moi, un meilleur amen. Le
peuple de Dieu, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est tout ce qui me suffit. Quand il a dit ça là, je reçois la paix dans mon cœur. Je suis en paix. Je ne panique devant rien. Je ne suis angoissé devant rien. Je n'ai peur de rien. Ça, c'est la vie de quelqu'un qui est libéré de toute influence. Donc même tu dis, hey, petit, on va t'avoir. Tu as parlé à qui? Moustique? Fourmi? Toi, tu veux parler devant Christ en moi? C'est pour ça qu'on parle, devant Christ en moi. Lève-toi, tu vas tomber. Même pas besoin de prier, tu tomberas. Mon ami, quiconque se ligue contre toi, par le sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, quiconque se ligue pour te faire peur, tombera à ta place dans le nom de Jésus. J'ai dit, quiconque se ligue pour t'effrayer, t'intimider, te rendre malheureux, tombera à ta place. Là où il disait, mais toi tu ne paniques, ils verront que ton attitude va changer. Le gars qui paniquait, la soeur qui paniquait, tu ne paniqueras plus. Ton cœur sera stable. Ton cœur sera ferme. On te menace, tu fais que sourire. On t'injure, tu dis merci beaucoup. On dit amen. Oh. Comment on brille ces influences? On l'a déjà vu. Christ nous a rachetés. Galates 3, verset 13, 14. Christ, mon frère, c'est Christ qui nous a rachetés, délivrés de la malédiction de la loi. La malédiction, c'est-à-dire les malédictions prononcées, malédictions générationnelles, malédictions de désobéissance. Tout ça là, Christ m'a délivré. Comment? Il est devenu, en versant son sang, malédiction à ma place. Il a été pendu au bois. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il n'a pas été décapité, il a été crucifié. C'était le symbole de la malédiction qu'il portait. Autrement dit, tu n'as plus à souffrir quelque malédiction que ce soit. Ce n'est même pas ma prière, c'est d'abord ta foi dans ce que Jésus a fait. Il a dit, il faut croire, pas en moi, mais en Jésus le Christ. Crois en Jésus, ne crois pas au pasteur, crois en Jésus. Si le pasteur te parle de Jésus, alors crois-moi. Je te parle de ce que Jésus a fait pour toi. C'est pour toi qu'il a souffert, c'est pour toi. Tu n'as plus à souffrir ni de la peur, ni de la honte, ni de la confusion, ni de l'humiliation. Tu n'as plus à souffrir une vie libre de toute honte, libre, libre, parce que Jésus est passé. Tout ce que Jésus a enduré, il a enduré pour toi. Dis-moi amen. Le problème, c'est que parfois, tu es ignorant. Et après, même quand tu sais, quand tu entends, comment tu fais maintenant pour gérer, sortir de là? Il faut engager la force. Il faut engager la force. Dis-moi amen dans Deutéronome 2, verset 24. Il a dit, lève-toi, téléma, lève-toi et engage la conquête. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Fais la guerre à ces démons qui te tourmentent. Fais la guerre parce que hier, tant que tu n'es pas en Christ, tant que tu n'es pas positionné en Christ, tant que tu n'es pas né de nouveau, tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas le pouvoir de le faire. Quand tu vas le faire, ils vont se lever, ils vont te démolir, ils vont te taper. Ce sont des guerriers, ce sont des bourreaux, ce sont des tyrans. Mais quand on est en Christ, on est né de Dieu. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est positionné pour leur dire, bon maintenant, assez. On dit maintenant je me lève contre vous par le sang que Jésus a versé pour moi abondamment. Non, je brise votre influence sur ma vie. Je brise votre pouvoir sur ma vie. Votre contrôle, il est brisé à partir d'aujourd'hui. Et je sors moi, je sors mes enfants, je sors mes frères, je sors mes soeurs. Dis-moi amen. Christ a été maudit. Pourquoi tu veux encore accepter la malédiction? Confonde la malédiction. Jésus t'a donné un héritage, le droit à la délivrance, le droit d'être délivré. Maintenant, va chercher la délivrance. Comment? Par le sang. Je peux dire que ton père est mort, qu'il avait la plus grande fortune au monde, c'est vrai. Il t'a laissé un testament de 1 milliard de francs CFA, c'est aussi vrai. Le testament est là, c'est un document. Mais mon ami, le document ne te donne pas encore le droit. Il faut maintenant aller faire les formalités chez les notaires et chez les banques pour qu'on te donne l'argent. Tant que tu n'as pas l'argent, là, mon ami, ne te donne pas de repos. Engage la guerre. Parce que dans la famille, là, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des amis qui ne veulent pas que le document là soit ta propriété. Ils ont dit non, elle doit seulement dormir avec le document. Mon ami, tu peux dormir avec le document pour dire j'ai 1 milliard, ça ne veut rien dire. Téléma, lève-toi, engage la conquête pour aller chercher. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Lève-toi, va prendre ce qui t'appartient. Lève-toi, va prendre ce qui t'appartient. Or, on se lève dans la prière.
On se lève dans la prière. Et là maintenant on s'appuie sur ce que Jésus a fait. Et on commande la restitution de mes droits. Et on commande que toute influence soit brisée par le sang de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Amen. Je redis les mêmes choses. 1 Pierre 1, verset combien? 18. Tu dois le connaître par cœur. Vous savez. Dis avec moi, je sais. Je sais. Vous savez. Mais est-ce que vous le savez? Que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent. Non! C'est pas avec l'or et l'argent qu'on est délivré. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Il te parle des malédictions ancestrales. Ce n'est pas avec de l'or et de l'argent, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le Christ est mort pour toi. Je te le dis encore, mon ami, que tu sois pleinement conscient et que tu l'acceptes et tu t'appuies sur ce que Jésus a fait pour toi. Aucun n'est sauveur si ce n'est Jésus le Christ. Aucun n'est Seigneur, c'est-à-dire souverain suprême si ce n'est Jésus le Christ. C'est pour toi et c'est pour toi et c'est pour toi. Dis-moi amen. Donc, quand tu veux sortir de ces influences, ne cours pas à gauche à droite. Plaide le sang de Jésus. Tu dis par le sang de Jésus. Oh là 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 là. Il a payé ainsi compris pour moi. Je te dis, oh diable, Satan, démon, je sors de ton influence. Dis-moi amen. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous cohabitez. Ah, pasteur, je veux juste qu'ils me laissent tranquille. Ils ne savent pas te laisser tranquille. On les appelle des méchants. Des méchants, dans Ésaïe 48, il y a une seule manière de traiter les méchants. Ésaïe 48, il dit au verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Que dit Dieu? Dieu dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Pourquoi chez toi, ils sont toujours en paix? Quand ils sont avec toi, ils sont contents. Tu les laisses tranquilles, pourquoi? Commence la guerre! Engage la guerre, parle. Tu ne parles pas. Ils sont tranquilles. Dieu dit, mais ils ne doivent pas être tranquilles. Jésus les tourmentait tout le temps. Il dit, ne nous chasse pas. Dégagez. Il vient négocier Jésus. Sortez. Mais dis, amen. Amen. Mais pour ça, Jésus parlait. Ne nous chasse pas. Dégage, sors, libère. C'est comme ça qu'on fait, mais quelqu'un me dit, amen. Amen. Oh, toi, ils sont en paix. Les esprits de peur sont en paix. Esprit de tristesse sont en paix. Dans ta maison, ils sont en paix. La colère aussi, elle est en paix, elle n'est pas dérangée. Il y en a quand ils se mettent en colère là. Tchiii. Il y a des femmes quand elles se mettent en colère, elles prennent les couteaux, elles déchirent les vêtements de son mari. Il va voir ça. D'autres maris, quand ils sont en colère contre la femme, ils vont prendre les robes. Mon Dieu. La famille tornade. Papa et maman, c'est des ouragans. Aujourd'hui, si tu souffres de ça là, tu dois sortir par le sang de Jésus. La parole, elle te localise aujourd'hui et tu dois sortir. Et tu dois sortir, mais tu dois désirer sortir. Tu fais la paix avec eux, pourquoi? Il n'y a pas de paix pour les méchants. Tourmente-les, sors-les, engage la guerre. Mais pasteur, comment on engage la guerre? On parle! La guerre, on l'engage par la parole. Prier, c'est parler. Proclamer, décréter, déclarer, ordonner, confesser, c'est ça. Si quelqu'un dit, il a dit quoi? Marc 11, 22. Si quelqu'un dit à cette montagne, hé, hey, colère, tristesse, assez, c'est assez. Je viens contre toi dans le nom de Jésus, par le sang qu'il a versé pour moi. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Tu peux sentir des secousses. Je brise ton pouvoir. Je brise ton pouvoir, maintenant pas. Tu verras les résultats. Mais toi, tu le laisses cohabiter. La nuit, quand il te fait un peu de bruit, là, boum, boum, boum. Il dit, oh, ici, je suis en climat apaisé. Dans l'esprit de peur, il est chez toi, il est heureux. Il ne doit pas être heureux. Comment tu peux laisser un démon dans ta maison tranquille? Il va s'en prendre à tes enfants. Il va s'en prendre à tes affaires. Il va s'en prendre à ton destin. Assez, c'est assez. Mets-toi en colère. Tu es trop gentil. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il faut avoir la mentalité d'un soldat, d'un conquérant. Pas d'une poule mouillée. Jamais. Oh, mais est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les chrétiens sont trop heureux. Normal. Mon peuple est détruit par ce manque de connaissances.
à ICC, Brazzaville. Personne ne doit être faible. Ce n'est pas le temps de la mollesse ou de la faiblesse. Le monde est trop méchant. On les appelle méchants parce qu'ils sont méchants. En eux, il n'y a rien de bon. En eux, il n'y a pas d'amour. Il n'y a jamais eu d'amour. Quand ils sourient, c'est pour mettre à manger. Quand il te dit, ah, viens dans notre camp, viens chez nous, dans nos sociétés secrètes, dans nos clubs, dans nos histoires, dans nos religions, dans nos églises, viens, viens pas ici, c'est là-bas. Ici, c'est là-bas, c'est pas clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair? À ICC, on te parle de la puissance qui est dans le sang de Jésus de Nazareth. À ICC, on te parle du message principal de Jésus le Christ, son œuvre achevée. Jésus a été crucifié, enseveli, ressuscité et glorifié. À ICC, on ne parle pas du pasteur, on parle de l'œuvre achevée de Christ. On parle de sa vie qui est ton message. Par son sang, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la libération, il y a la restauration, il y a la bénédiction. Ici, ah oui, là-bas, c'est l'église des riches. Là-bas, c'est l'église des riches. C'est ça, l'église des riches. Tu es en train de prophétiser que ici, conformément à la parole de Dieu, que le pauvre va devenir tôt ou tard riche. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Si tu veux être pauvre toute ta vie, ne rien avoir, non. Je crois que le pauvre, par la puissance du Saint-Esprit, peut devenir petit à petit tendre vers la richesse. Je le crois parce que Jésus est mort pour ça. Jésus a payé son sang pour ça. Maintenant, si tu n'as pas envie, mais laisse les autres tranquilles. Quelqu'un me donne un bon amen. Non, ils ne veulent pas que tu entends le message de l'évangile qui donne la foi. Ils veulent que tu entends les bêtises. Parce qu'il était à Dubaï, il a mis des chaussures Weston. Qu'est-ce qu'on a assuré? On te parle de Jésus le Christ et de son œuvre. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Éphésiens 1, 7, c'est par son sang que nous avons la délivrance. Maintenant, tu veux être libéré, engage la puissance du sang et celle du Saint-Esprit pour dire, je sors par la puissance du sang. Au début, il va résister. Tu dis non. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. Résistez. Où sont les résistants de Jésus dans ce lieu? Il faut résister. On résiste comment? Par la parole. Comment? Par la parole. Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que vous ne parlez pas. Quand vous parlez seulement un matin en prière, pendant 10 minutes. Au nom de Jésus. Ça, c'était le temps de prière. Mais on ne parle, quand on dit parler, c'est pas parler pendant la prière, c'est parler en tout temps. C'est parler à tout moment. C'est parler aux circonstances. C'est parler aux événements. C'est décréter la parole de Dieu. Oh, la vie, Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de ma bouche. Ta bouche, si tu veux que tes affaires vivent, parle. Tu veux que tes affaires meurent aussi, parle. Ta santé se trouve dans ta bouche. Ta prospérité, dans ta bouche. Ta paix, dans ta bouche. Ta joie, dans ta bouche. La version française courante dit, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Les paroles emmènent la vie, les paroles emmènent la mort. Est-ce que tu veux que tu vives? Est-ce que tu veux que ta santé soit vivante, bien vivante? Que tes entreprises vivent, que tes affaires vivent, que ton mariage vive, que ton foyer vive? Alors parle. Mais c'est pas seulement pendant la prière du matin. Non, c'est quand j'ai quitté même la maison. Je continue de dire, je me confie en l'Éternel. Je suis comme la montagne de Sion. Je ne tremble pas, je ne suis jamais ébranlé. On appelle ça déclarer la parole, proclamer la parole. Quand on vit dans la parole, on parle la parole. Quand on demeure de la parole, on parle de la parole. Sans faire exprès, quelqu'un dit amen. On proclame la parole. Oh, je te bénis, Père, de ce que tu m'as créé pour le meilleur. Tu fais de moi la tête et non la queue. Je ne peux pas être en bas. Je suis toujours en haut. D'ailleurs, je te loue de ce que je suis la lumière du monde. Ha! Et là, je parle tout seul. Hein. Je suis la lumière du monde. La lumière qui brille dans les ténèbres. Wow, je te loue de ce que tu as fait de moi, la lumière du monde. J'éclaire le Congo, j'éclaire l'Afrique, je rayonne, je resplendis. Partout où je passe, la lumière vient. Partout où je rentre, la lumière. Il faut parler. Il faut parler. La loi de la proclamation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce soir, ce matin? Il faut parler. Vous vous taisez pour rien. Toi, tu parles seulement pendant la prière. On parle toute la journée. On parle.
On déclare quoi? Les paroles de Dieu. On déclare quoi? Ce qu'on veut voir arriver. On déclare, on n'attend pas, on parle. Je suis pas entendu prier. Il dit, je te rends grâce, Père. Je suis le sel de la terre. Ah, tu as fait de moi le sel de la terre. Partout où je passe, je domine. Partout où je passe, je brille. Partout où je passe, j'excelle. Partout où je passe, je resplendis. Je laisse mon empreinte. Qui m'aime pas, ils vont savoir que je suis passé. Je pensais que tu allais dire un bon amen. Oh. Mais je suis en train de vous donner des secrets. Il faut parler. Ta bouche fermée, ça n'arrange personne. Quand tu parles pas, le diable il dit ouf, ouf. Quand tu es silencieux, le diable dit pff. Parce qu'il sait que tout a été créé par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Que les paroles créent la vie ou la mort. Quelqu'un me dit amen. Ta bouche est trop fermée. Ta bouche est trop fermée. Tu te dis que si tu parles, tu auras l'air bête. Mon ami, j'ai peut-être l'air bête, mais je ne suis pas bête. Je suis intelligent. Je suis sage. Ta parole me rend plus sage que tous mes ennemis. Oh Dieu, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu me fais marcher dans tes voies. Le juste marche. Le juste marche dans tes sentiers. Oh Seigneur, je dis à Dieu ce que Dieu a dit. Je proclame pas mes paroles. Pas mes paroles, les paroles de Dieu qui met dans mon cœur. Est-ce que tu comprends ce dont on parle? Tu veux résister au diable? C'est par la puissance de la parole. C'est parole contre parole. Quand toi tu dors, eux ils sont en train de faire des incantations, des enchantements, des envoûtements. Je me lève le matin, je dis j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées contre moi. Toutes les paroles libérées par le sang de Christ, je les annule, je les efface. Et je commande. Bon, aujourd'hui d'ailleurs, celui qui a formé un complot contre moi, il tombe. Celui qui a dressé une tombe devant moi, qu'il y soit précipité lui-même. En fait, je ne suis pas en train de prier, hein. Je suis en train de parler moi-même. Et les démons là qui m'entendent, parce qu'il faut savoir, tu es entouré d'un monde spirituel, démons, anges. Je m'en moque de savoir où ils sont. Je dis seulement que celui qui a creusé une fosse contre moi, il va y tomber lui-même. Celui qui forme un complot contre moi, il sera précipité. Aucune flèche formée dans ma direction ne m'atteindra. Je suis intouchable, je suis immaudissable, je suis inébranlable, je suis infatigable. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Si quelqu'un est d'accord avec cela, tu comprends la parole, donne un amen. C'est ça. Parle. Tu veux engager la force, parle. Si quelqu'un dit à cette montagne, parle. Il faut parler, église, faut parler. Les gens souffrent parce que leur bouche est fermée. Ils sont devant les problèmes, ils sont là. Non, devant les problèmes, on parle. Si ton fœtus est mort, parle. Les enfants sont malades, parle. Ah, mais je donne les médicaments. Il n'y a pas de problème, donne les médicaments, mais parle. Parce qu'il y a des moments où tu ne sais même pas si le médicament va régler le problème. Est-ce que tu sais que les médicaments ne règlent pas tout? Il y a des maladies démoniaques, d'origine totalement démoniaque. Tu as beau prendre médicaments. Ça ne marche pas. Je ne suis pas contre les médicaments. Prends les médicaments, mais prends la parole. Dis-moi amen. Prends la parole. Les gens souffrent parce qu'ils subissent, parce qu'ils ne parlent pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Rien. Il n'y a rien qui sort. La vie et la mort sont dans ta langue. Parle! La langue est comme un gouvernail. En fait, ta vie et ton destin est contrôlé par tes paroles. Oh, je suis foutu. Oh, je suis perdu. Oh, je n'ai plus d'espoir. Oh, le pays est foutu. Oh, il n'y a pas d'espoir pour la jeunesse. Nous sommes la jeunesse sacrifiée. Nous sommes la génération sacrifiée. Il n'y a plus d'espoir pour nous. On est foutu. On est perdu. Il n'y a plus d'espoir. Vraiment, bon, les bébés, quoi. Ah, vraiment, mawa, quoi. Mawa. Pendant que tu es en train de parler comme ça, là, il y a un jeune de ICC. Il y a un jeune de ICC. Ah, non. Bora baba baba. Comment? Est-ce qu'il y a des jeunes ici là-haut? Quelqu'un me dit amen. Jeune de ICC. Ce qu'on dit dehors ne s'applique pas à vous. 1 Pierre 2, verset 9. Vous êtes une génération élue. Vous êtes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, vous êtes des rois. Des rois.
et des adorateurs. Vous êtes le peuple acquis de Dieu. Vous êtes la nation sainte de Dieu. Vous êtes les héros de Dieu. Vous êtes les influenceurs de Jésus sur la terre. Vous êtes des femmes et des hommes aux commandes. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes d'impact. Là où on a dit qu'il y a la mort, vous mettez la vie. Là où on dit qu'il y a désespoir, tu mets l'espoir. Là où on dit qu'il y a impossible, tu dis possible. Là où on dit mort, tu dis vie. On dit échec, tu dis réside. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne un meilleur amen. Ah, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Oh, mais quelqu'un acclame Jésus qui parle. Oh, gloire à Jésus. Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas encore terminé. Est-ce que je peux prendre encore quelques minutes? Juste pour vous expliquer. Dans le livre de Jean, ça peut pour te montrer pourquoi est-ce que tu as le droit de te réveiller, de te lever pour dire non, assez, c'est assez. Je ne peux être tourmenté par ces choses de ma vie. Je refuse que mon âme soit tourmentée par le diable. Dans Jean 19, je termine, verset 32. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier crucifié, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Mon frère, tous les médecins s'accordent pour dire que là, quand il sort autant d'eau et du sang, ça veut dire que le cœur a été brisé. On a touché le cœur de Jésus. De son cœur a ruisselé abondamment du sang et de l'eau. En quelques instants, en quelques heures, Jésus a souffert toutes les blessures que toi tu peux expérimenter, toutes les malédictions d'âme que tu peux ressentir, les blessures d'âme que tu peux ressentir, Jésus a tout expérimenté à ta place. Pourquoi il a expérimenté ça? Comme ça, quand ton tour viendrait, tu tiendrais, tu supporterais, tu tiendrais ferme, tu ne serais pas ébranlé, tu ne serais pas découragé. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit, Jésus était blessé, n'oublie pas, pour nos péchés, mais il était brisé pour nos fautes, pour nos iniquités. Brisé, ne parle pas des blessés. Brisé dont on parle là, c'est son cœur qui a été brisé. Le cœur de Jésus, le Christ, ton sauveur, a été brisé. Et il fallait que son cœur soit brisé pour que toi, ton cœur soit guéri. Il fallait que son cœur soit brisé pour que toutes les malédictions qui gangrènent ton âme, tu en sois totalement délivré par son sang. Dis-moi amen. Qu'as-tu subi que lui n'a pas subi à ta place? Il a été méprisé. On parlait de maltraitance, de mépris. Jésus a été méprisé. Dans Ésaïe 53, verset 3, il est écrit « Méprisé et abandonné des hommes. » Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Ah, Kendekuna, qui part là-bas? Pauvre type, Mawa, quelle honte. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Tu vois, toutes ces phases de ta vie où les gens ne te respectent pas, ils te méprisent, ils t'ignorent. Bonne nouvelle, Jésus est passé par là pour que toi aussi, tu puisses supporter. Jésus est passé par là. Tu n'as pas à sentir mal à l'aise. On t'a méprisé, lui t'a accepté. Tu as été méprisé, lui aussi il a été méprisé. Quelqu'un dit amen. Il a été injurié. Dans Matthieu 27, au verset 39 et verset 41, on nous montre comment les scribes, les sacrificateurs, les pharisiens se moquaient de lui. Ils riaient de lui. « Oh, si tu es fils de Dieu, maintenant descends, nous allons croire en toi. » Il a dit qu'il pouvait se sauver lui-même. Il se moquait de lui. Il était sur la croix. Ils regardaient les railleries, les moqueries, les insultes. Ils insultaient. Ils insultaient Jésus. Si on t'insulte toi, pourquoi Jésus a été insulté? Pour que toi-même, quand on t'insulte, ça ne te fasse plus rien du tout. Tu sois vacciné. Tu sois guéri de ces insultes, guéri de ces blessures. Ne sois pas blessé parce que les gens t'ont insulté. Ne sois pas aigri. Ne sois pas amer parce qu'on t'a insulté. Lui aussi, on l'a insulté. Il est ton Seigneur. Il est ton grand frère. Il est ton libérateur. Oh, quelqu'un me dit amen.
Ce matin, que le sang de Jésus asperge chaque partie de ton âme qui est blessée, chaque partie de ton cœur, où on t'a tellement injurié que ça te fait mal. Sois guéri ce matin par le sang. Sois guéri ce matin par le sang de Jésus. Par le sang, je plaide les mérites du sang de Jésus dans ton cœur qui est souffrant, ton cœur qui est endommagé, ton cœur qui a mal de toutes ces souffrances, ces injures, ces moqueries que tu as subies pendant que tu grandissais. On s'est beaucoup moqué de toi. Et voilà, tu te sens maintenant tellement rabaissé. Aujourd'hui, tu relèves ta tête. Jésus guérit tes blessures. Il pense tes blessures. Il guérit tout ton cœur qui était rempli d'injures. Les injures quittent maintenant ton corps. Les moqueries quittent ton cœur et quittent ton cœur et quittent ton cœur. Par le sang de Jésus, ton cœur reçoit ce matin une entière restauration, une entière libération par la puissance du sang et de la parole qui est envoyée. Reçois cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus guérit les blessures intérieures. C'est quoi? C'est les moqueries? Ha, ha, ha! Tu n'arrives pas à oublier. Aujourd'hui, assez, c'est assez. Le sang de Christ fait le travail de nettoyage. Le sang de Jésus nettoie ton cœur. Ton cœur ne se rappellera plus de ces moqueries, de ces injures. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si c'est à toi que je parle, donne un amen pour toi-même. Raillerie, moquerie, injure, terminée. Les mêmes personnes qui t'ont injurié hier viendront te voir dans quelques temps, encore un peu de temps. J'ai dit encore un peu de temps. Le sang de Jésus parlera pour toi. Femme, on t'a beaucoup injurié. Le sang de Jésus te purifie. Il efface ces mauvais souvenirs. Et Dieu me dit de te dire encore un peu de temps. Les mêmes personnes qui se moquaient de toi seront émerveillées de voir ce que Dieu a fait avec toi. Ils viendront te prendre comme conseiller. Ils viendront se repentir et te demander de l'aide. Cette parole, elle est lancée dans ton cœur. Si c'est à toi que je parle, reçois-la et sois guéri dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Ils l'ont injurié. C'était pour que toi, tu puisses supporter les injures. Supporte les injures. Supporte les injures. Supporte les moqueries. Ce n'est pas grave. Dieu ne se moquera jamais de toi. Dieu t'aime tellement qu'il a tout enduré. Son Fils a tout pris à ta place. Oh, gloire à Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur, ton Seigneur, ton Sauveur. C'est à toi que je parle, dis amen. Tu vois, le Seigneur Jésus a enduré toutes ces choses. Jésus a été rejeté, il a été faussement accusé, il a été rejeté. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été rejeté par les gens? Oh, mais la bonne nouvelle, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens l'ont rejeté, mon frère. Les siens l'ont jeté. Mais ce n'est pas un problème. Si toi tu es rejeté, lui il a été rejeté comme toi. Pour que toi tu n'aies plus à souffrir de ces douleurs. À partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus guérisse ton cœur de l'esprit de rejet. Et je commande à tout esprit de rejet qui oppresse ton âme. Esprit de rejet. Esprit de rejet. C'est à toi que je parle maintenant. Esprit de rejet. Dans le nom puissant de Jésus. Esprit de rejet. Par la puissance du sang de Jésus. Je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je brise ton influence sur la vie de cette femme et de cet homme. Esprit de rejet, je te commande au nom de Jésus, libère l'âme, libère cette personne que tu tiens, libère cette personne que tu tiens. Jésus a été rejeté pour que nous soyons acceptés par le Père. Si Dieu t'aime, ma soeur, si Dieu t'aime, mon frère, c'est suffisant déjà. Quelqu'un me dit un bon amen. Quand on te rejette, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'aime toujours. Moi, j'ai compris un secret. Si tu veux avoir un meilleur ami, aie pour meilleur ami Jésus lui-même. Que Jésus soit toujours ton meilleur ami. Il est ton grand frère, il est ton sauveur, il est ton libérateur, mais il est aussi ton ami. Il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Waouh! Tu es l'ami de Jésus le Christ. Que Jésus soit seulement ton meilleur ami, comme ça tu n'auras plus jamais de déception. Parce que mon meilleur ami ne te décevra jamais. Oh, quelqu'un dit amen. Jésus a été rejeté. Toi, tu sois accepté. Jésus a été faussement accusé. Qui a déjà été faussement accusé parmi nous ici? C'est-à-dire, on a dit des choses sur toi qui sont fausses. On t'a dit des choses terribles. Le pasteur Castanou, Yves, j'ai un master, un doctorat en fausse accusation. Ah oui, mon ami, je suis heureux. Mon diplôme, je l'ai obtenu par le sang de Jésus-Christ. Et mon diplôme parle toujours en ma faveur.
accusé, accusez pas. Ils ont donné de faux témoignages à son sujet. C'était pour que toi aussi, le jour où on t'accuse faussement, tu ne sois pas ébranlé pour dire, oh, ils ont dit ça à mon sujet, ils m'ont fait ça. Non, ma soeur, non, mon frère, sois détendu. Jésus est passé par là. Tu passeras aussi à partir d'aujourd'hui. Jésus est passé par là, tu passeras à travers. Oh. Ta vie ne sera pas bousillée par les faux témoignages. Les faux témoignages ne vont pas te couler au sol. Non, au contraire, tu sautes les faux témoignages. Tu en entends un, tu avances seulement. Tu en entends encore un, tu avances seulement. Et s'il te plaît, tu gardes le sourire. Est-ce que quelqu'un veut donner un amen? Oh! Quelqu'un m'a demandé, mais comment vous vous sentez quand on vous accuse? J'ai dit, je me sens heureux. Je me sens heureux. Pourquoi? Jésus est passé par là. Moi aussi, je passe par là. Tu m'entends? Christ est passé par là, je passe par là. Ils ont pris des faux témoins contre lui. Pas de problème. Prenez des faux témoins, parlez contre moi, je passerai au travers. Je passerai au travers. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, je paraîtrai de l'autre côté de l'homme de la... Je passerai la vallée de l'homme de la mort. Je ne resterai pas dans le royaume des morts, jamais. Et ça sera ton partage. Dis-moi un bon amen. Oh. As-tu été abandonné, trahi par tes frères, les gens qui te sont proches? Jésus aussi a été abandonné. Marc 14, verset 50, il dit, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mon frère, si tes proches, les gens que tu aimes, en qui tu as mis ta confiance, t'abandonnent, bonne nouvelle, Jésus est passé par là. Alors, il y en a qui n'ont pas de vie après les abandons, les trahisons. Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Ils l'ont tous abandonné. Les Pierre, les Jacques, les Jean, tout le monde a pris la fuite. Mais la bonne nouvelle, le Père était là. Le Saint-Esprit était là. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa présence. La présence de Dieu. Lui, il t'abandonnera jamais. Cet ami céleste, il n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Jésus n'abandonne jamais quelqu'un. Voilà pourquoi tu dois en faire ton meilleur ami. Tu dois en faire... Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Lui, il n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Son nom est Jésus le Christ. Mon plus bel ami, c'est lui. Ma plus belle rencontre, c'est aussi Jésus le Christ. Oh, si c'est ton cas, tu dois me donner un amen. Mon frère, c'est quoi donc ton problème? Dieu est en train d'éliminer toutes les excuses que tu as pour dire, mais j'ai mal au cœur. Que ton cœur reçoive la guérison par le sang de Jésus ce matin. As-tu été abusé? As-tu été violé? As-tu été molesté? Quelle expérience douloureuse. Dans ton corps, tu portes encore les traces de ces abus sexuels, de ces coups de maltraitance. Ça peut être des coups de fouet, ça peut être des abus, ça peut être des viols. Tu ne pourras pas changer hier, mais tu peux changer demain. Tu ne pourras pas revenir en arrière, ma sœur. Ton corps, tu l'as donné à beaucoup d'hommes. Tu ne pourras plus refaire cela. Et tu sens encore les marques dans ton corps, c'est vrai. Voilà pourquoi, à cause de toi, ma sœur, Jésus a subi dans son corps les marques de ses souffrances. Dans Luc chapitre 24, au verset 39 et 40, Jésus leur dit, voyez mes mains et mes pieds. Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Il leur montra ses mains et ses pieds. Tu vois, à la résurrection de Jésus, il avait un nouveau corps, mais les marques étaient encore là. Les marques des douleurs qu'il a subies, les marques des maltraitances qu'il a subies, des coups qu'il a subis. À la résurrection, il avait encore les marques. Pourquoi? Pour te montrer que mon ami, ce qui est important, ce n'est pas les marques. Les marques peuvent rester, mais tu es une nouvelle création. Tu es une personne neuve. Tu es une personne totalement nouvelle. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ton âme qui est maltraitée, ton âme qui est angoissée, sur toutes ces douleurs dans ton âme. Je plaide les mérites du sang de Jésus. Si tu crois dans les vertus du sang de Jésus, son sang est en train d'effacer toutes les douleurs dans ton cœur ce matin. Les abus que tu ressens, les viols que tu as, la maltraitance, le sang de Jésus te fasse, te nettoie, te purifie ce matin. Tu ne t'en rappelleras même plus du tout parce que maintenant, le sang de Christ est en train de parler en ta faveur. Quelqu'un dit amen, je termine. As-tu déjà été humilié, déshonoré à ce point, mon frère? La Bible dit dans Marc chapitre 15 au verset 24, ils le crucifièrent. À partir de 9h du matin, ils l'ont crucifié jusqu'à 16h, jusqu'à 15h plutôt, pendant 6h. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort
Ils l'ont crucifié. Il était nu. Ils ont arraché tous les vêtements. Jésus était nu sur la croix. Jésus, fils de Dieu. Dieu fait homme, sauveur de tous les hommes. Nu, complètement nu sur une croix. À la vue de tous, quelle honte, quelle humiliation, quel déshonneur. Le fils de Dieu, le prince de la vie, est nu sur la croix. Tout le monde se moque de lui. Lui, il est nu. Il est nu à cause de toi. Il est nu à cause de toi. Parce qu'il ne veut plus jamais que tu ressentes l'humiliation. Il ne veut plus jamais que tu ressentes cette honte qui te détruit ton âme. Cette honte qui te poursuit depuis des années. Jésus enlève cette honte ce matin. Par son sang, son sacrifice pour toi. Il a porté ta honte. Il a porté ton humiliation. Il a porté ta bassesse, ton rabaissement. Il a porté ton déshonneur. Il était nu à la croix. Non seulement il était nu, mais il est mort nu sur une croix. Quelle tragédie, quelle malédiction. Il a porté ces choses pour que toi tu n'aies plus à les subir. À Jésus le Christ, notre Seigneur, soit la gloire, soit l'honneur, la puissance, la splendeur, la beauté, la majesté. Oh mon ami, là il faut l'acclamer parce qu'il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être honoré. C'est lui qui délivre par son sang. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Nous avons la restauration. Si tu es d'accord avec cette parole, donne un amen en son honneur. Tu vois, Jésus est passé par toutes ces expériences, par toutes ces choses, pour que quand toi tu y passes, ça ne te fasse pas mal. Dis avec moi, je n'ai pas mal. Dis avec moi, le sang de Jésus guérit mes douleurs. Le sang de Jésus guérit mes blessures. C'est ce que le sang de Jésus fait. Tu plaides le sang de Jésus sur cette âme. C'est des choses que les gens ne voient pas quand ils te voient. Mais Dieu voit et il sait que tu es en train de souffrir. Il sait que ton cœur est meurtri. Et il veut que tu sois guéri ce matin. Il veut que tu sois guéri ce matin. Allons dans quelques instants prendre la Sainte-Seine. Pourquoi on prend la Sainte-Seine? J'obéis à l'ordonnance du Seigneur. Quand on prend la Sainte-Seine, on ratifie. En prenant la Sainte-Seine, tu confirmes ses paroles ou tu sors de ses influences. Si tu t'es senti, asseyez-vous s'il vous plaît. Si tu te sens concerné par quelque chose qui a été dit, est-ce que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un s'est senti interpellé par le Seigneur ce matin? Alors les domaines dans lesquels tu te sens interpellé, c'est les domaines dans lesquels tu vas dire, je sors de ces situations, je sors de ces influences, je sors, dis avec moi, je sors par le sang de Jésus. Quand tout à l'heure on va prier, ne crie même pas, tu as dit, je sors par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je sors. Là où tu t'es senti concerné, Dieu te libère. Alors que toi-même, tu as dit, je sors. La vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. C'est ta langue qui doit parler. Ta bouche doit s'ouvrir et tu as dit, je sors et tu sortiras. Et ta vie ne sera finalement que sourire, réjouissance, paix et grâce. Ah, quelqu'un dit, amen. Je n'ai pas entendu ton amen.